Mata, you are telling me the truth. It isn't a dangerous operation. No. No, it's very slight, really. And in a short time, we'll forget all this and be so happy. Oh, it's just the same. I can't bear to think of you suffering. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En juillet 2000, 83 ans après l'exécution de Mata Hari, le Muséum de l'Anatomie de Paris annonce que la tête de la danseuse est portée disparue. Dans les registres de l'établissement, la dernière fois que les restes de Mata Hari ont été vus remonte à 1954. Comment un institut sérieux peut-il perdre la trace de la tête de la plus célèbre espionne de la Première Guerre mondiale? Alexis. Yes. Promise me you won't worry about me. Oh, Mata, please. Now promise me. You know what operations are. Even the slightest, there's always a chance. Promise me. If something should happen to me, you won't grieve too much, that you'll carry on. But nothing will happen to you. You mustn't be afraid. Well, then hold me. I won't be afraid if you hold me. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Épisode beaucoup plus court aujourd'hui parce que je vous parle vraiment d'un fait divers, la disparition de la tête mais aussi du corps de Mata Hari. Une disparition vraiment nébuleuse, on ne sait pas trop comment on a pu perdre la trace de ces restes qui, disons-le, sont très célèbres jusqu'aux années 50. Mata Hari, la plus célèbre danseuse du 20e siècle, dont une partie de sa vie et de son dernier amour ont été portées à l'écran en 1931. Je ne sais pas si le film est disponible sur le web, mais il est excellent. C'est la légende Greta Garbo qui joue le rôle principal, Ramon Navarro, Lionel Barrymore et Lewis Stone sont aussi du film. Une solide brochette d'acteurs pour ce film de la MGM. C'est le seul film où on peut voir Garbo plus dénudé qu'à son habitude, je précise ça comme ça. Bref, si jamais vous apercevez le film sur la tablette d'un magasin ou disponible à la télévision ou sur le web, c'est vraiment très très bon. C'est du grand MGM, mais aussi du grand Garbo. Je sais aussi qu'en France, il y a eu un film avec Jeanne Moreau dans le rôle de Mata Hari. Si jamais vous apercevez le film, ça peut être intéressant de regarder. Sur YouTube, vous pouvez trouver des documentaires très intéressants sur la vie, la carrière, la fin et tout ce que vous voulez concernant la danseuse. Mais qui était donc Mata Hari? Pourquoi a-t-elle été si célèbre au point que sa vie, ses amours fascinent toujours de nos jours? Mais surtout, que ses restes soient précieusement gardés. Je vous raconte tout ça en bref. Mata Hari est l'une des artistes de la scène les plus importantes du 20e siècle. C'est une danseuse de renommée mondiale, surtout connue en Europe. Au sommet de sa carrière, c'est un véritable phénomène qu'elle provoque. Ce qu'elle fait, on n'a jamais vraiment vu ça avant. C'est très langoureux et n'hésite pas à se déshabiller jusqu'au point d'être presque nue. Ses costumes sont aussi uniques que ses mouvements. Elle porte tout un tas de perles, de diamants, de fourrures, des plumes et tout ce que vous voulez par-dessus ses voiles transparents et légers. Au moindre de ses pas, ses tissus s'envolent dans tous les sens, c'est très très beau à voir. Ça scintille partout aussi. Tout ça se mélange, comme je le disais, à son côté très sexy, très langoureux. Elle ne va jamais poser les pieds en Amérique ni ailleurs qu'en Europe, mais ses photos sont diffusées dans le monde entier et provoquent un intérêt grandiose.
La renommée de Mata Hari est si grande qu'elle va danser devant des publics déchaînés à l'idée de l'apercevoir et de vivre l'expérience de ses shows. La danseuse va aussi performer devant des hommes très importants de l'époque, comme des politiciens, des hauts gradés de l'armée et tout ce que vous voulez. Mata Hari fascine son époque, non seulement par la danse, mais aussi par sa vie privée. Au cours de son existence, on va lui prêter des dizaines, voire des centaines de relations avec des hommes, parfois maîtresses de ministres, parfois fiancées de soldats ou de hauts gradés de l'armée de tous les pays. L'étoile de Mata Hari va briller très rapidement, devenir la plus brillante aussi vite, mais elle va s'éteindre aussi très vite. Quand la Première Guerre mondiale éclate, sa notoriété en prend un solide coup, surtout en France, parce que pendant ses années de gloire, la danseuse a souvent été en Allemagne et du côté français, on a souvent entendu des rumeurs d'idylles passionnées avec des Allemands. C'est pas très bien vu et tout ça mène la France à soupçonner Mata Hari d'espionnage au profit des Allemands. Ajoutée à ses soupçons une erreur fatale pour l'époque, elle a pris du poids. Elle n'a plus le corps qu'elle avait au début du siècle et ça suscite de vives réactions contre elle. Le 13 mars 1915, elle va donner une dernière performance devant une mince foule qui sera grandement déçue. Mata Hari n'a pas revêti ses diamants, plus rien ne brille et ses costumes ont subi malheureusement le poids du temps et sont vraiment abîmés. C'est peu de temps après cette dernière performance que les soupçons d'espionnage vont se faire beaucoup plus lourds. En France, des agents sont chargés de s'occuper du cas Mata Hari. En fouillant dans son passé, ils découvrent qu'elle a entretenu et entretient toujours des relations intimes avec certains Allemands et même des Russes. En novembre 1916, alors qu'elle se rend en Espagne, elle est arrêtée par les Français puis interrogée avant d'être relâchée. C'est le 13 février 1917, dans sa chambre de l'hôtel Élysée Palace à Paris, que le gouvernement français met en arrestation Mata Hari pour espionnage au profit de l'Allemagne et d'avoir provoqué la mort d'environ 50 000 soldats par le biais de ses informations. Elle est traînée devant un juge où son procès sera, disons-le, catastrophique. Un véritable cirque qui aujourd'hui aurait aucun sens. Pour commencer, toutes les preuves contre la supposée espionne ne tiennent sur rien du tout. C'est des suppositions et des oui-dire de femmes et d'hommes qui ont entendu que Mata Hari serait peut-être, voire possiblement, une agente des forces allemandes. Des gens qui expliquent aussi qu'ils croient avoir aperçu Mata Hari sortir des demeures d'agents allemands et russes connus, mais peut-être que c'était pas elle, mais ils sont plus sûrs que oui que non. Vous voyez un peu le genre de procès bâclé et de témoignages complètement ridicules contre elle. Pendant ce procès hyper médiatisé qui fait la une des journaux, la France reçoit en permanence des lettres des Allemands qui clament l'innocence de la femme. L'Allemagne affirme que Mata Hari n'a jamais travaillé pour eux et qu'elle a aucun lien avec cette partie de leur organisation. Des lettres que le procès va complètement ignorer, jeter aux poubelles et bien sûr pas mentionner devant la cour. Mata Hari est finalement condamné à la peine de mort pour autre trahison envers la France. Le 15 octobre 1917, à l'aube, Mata Hari s'avance dignement dans les premiers rayons du soleil devant une vingtaine de soldats français à qui elle envoie un baiser. Elle est habillée de noir, extrêmement chic, porte une paire de gants neufs et refuse le bandeau aux yeux. Elle est attachée, les mains au dos, à un bout de bois planté au sol. Elle clame calmement son innocence avant de regarder le chef de la bande droit dans les yeux et de dire « Je suis prête ». Quelques instants après, les détonations des fusils résonnent, Mata Hari a été exécutée. Elle avait 41 ans. Quelques semaines plus tard, sa tête est décapitée puis exposée au Muséum de l'Anatomie de Paris, puisque personne ne réclame le corps de la plus célèbre danseuse de son époque. 83 ans plus tard, en juillet 2000, on annonce au monde entier que la tête, mais aussi le corps de Mata Hari sont portés disparus.
Avez-vous des révélations à faire? Aucune. J'ai déjà dit que je suis innocente. Et si j'en avais, vous pensez bien que je les garderais pour moi. Et si j'en avais. Voulez-vous des sels? Non, merci, docteur. Vous verrez que je n'en ai pas besoin. Monsieur, vous qui vouliez tant me faire parler de mes voyages, je vois avec plaisir que vous assisterez au dernier. Et de celui-là, vous ne pourrez rien ignorer. Peloton, à mon commandement! Garde-vous! Présentez, armes! Non. Je suis forte. Vous allez voir une belle mort. Laissez-moi vite et laissez-moi maintenant. Mettez-vous sur ma droite, je regarderai de votre côté. Adieu, ma sœur. En avant, marche! Au nom du peuple français, la femme Marguerite Zell MacLeod est déclarée coupable de s'être introduite dans le camp retranché de Paris afin de s'y procurer des renseignements dans l'intérêt d'une puissance ennemie, d'avoir à l'étranger entretenu des intelligences avec des agents diplomatiques allemands dans le but de favoriser leur entreprise. Elle est condamnée à mort. On joue ! Armée ! Feu ! En juillet 2000, Roger Saban, le conservateur du Muséum de l'anatomie de Paris, convoque les médias pour une annonce qu'on dit surprenante. Un peu avant le début de l'après-midi, Saban s'assoit devant les journalistes réunis et déclare « Les restes de Matahari ne sont pas au muséum présentement et personne ne sait où ils sont. Personne ne peut donner la moindre indication ni même la moindre supposition de leur emplacement. » La disparition de sa tête et de son corps accompagne aussi celle de centaines de documents officiels concernant son procès et son exécution. Une déclaration qui cause bien évidemment tout un choc dans la salle de conférence. 83 ans après sa mort, personne ne peut dire où sont les restes de Matahari. Dans la même annonce, le conservateur nous apprend que la dernière fois que la tête, mais aussi le reste de son corps, ont été aperçus, c'est en 1954, quand ils ont subi un contrôle de qualité. Puis, dans la même année, l'établissement a déménagé tout leur inventaire au 45 rue du Saint-Père, à l'Université René-Descartes. Il termine son discours en incitant quiconque qui aurait des informations concernant ses restes de les dire au muséum et qu'une solide récompense lui sera donnée, une récompense qui n'est pas précisée. Ce qui veut dire que de 1954 à 2000, personne n'a vu ni ne sait où se trouvent les restes de la supposée espionne. Avant de m'avancer avec les hypothèses concernant cette mystérieuse disparition, je tiens à faire une petite parenthèse concernant l'exposition des restes de Matahari. C'est pas inhabituel à l'époque et encore aujourd'hui dans certains musées d'exposer la tête de célèbres exécutés. Pour prendre l'exemple du Muséum de l'anatomie parisien, il possédait non seulement la tête de la célèbre danseuse, mais aussi plus d'une vingtaine d'autres têtes décapitées de meurtriers condamnés à la peine de mort qui ont fait eux aussi les manchettes. Joseph Fieschi, qui a assassiné plus de 18 personnes et qui avait pour principale cible le roi Louis-Philippe en 1835, était l'une des têtes les plus populaires avec Matahari, si on peut dire ça comme ça, du muséum.
Ce genre d'exposition était très à la mode du 18e au 20e siècle. Les têtes étaient conservées dans un mélange chimique qui cessait net leur dégradation et les empêchait de pourrir. Fin de la parenthèse très macabre. Donc, en ce jour de juillet 2000, on apprend que Mata Hari, 83 ans après sa mort, est portée disparue. Où est-elle donc passée? Roger Saban, lui, explique aux médias qu'il croit que la tête a été volée lors du déménagement de 1954. Le déménagement a été fait de façon très simple. Il explique qu'à l'époque, le muséum a laissé des dizaines de boîtes, pas toujours bien fermées, dans les rues de Paris sans surveillance. Le conservateur ne serait pas surpris que la tête de Mata Hari, mais aussi la documentation sur son exécution, ait été volée par un admirateur au côté lugubre. En laissant des centaines d'objets comme ça au grand jour, n'importe qui aurait pu prendre la tête de la danseuse ainsi que son corps et personne n'aurait posé de questions. Plusieurs croient aussi que les restes de Mata Hari sont peut-être tout simplement très bien rangés au fond d'un entrepôt du musée mal étiqueté, mal identifié et qu'ils prennent la poussière depuis tout ce temps. Dans sa conférence, Saban précise que lors du déménagement, plusieurs identifications, étiquettes et plein de papiers servant à reconnaître les reliques ont été perdus. Il serait donc pas surprenant que quelqu'un du muséum ait cru que ces objets soient d'une importance mineure avant de les ranger dans des boîtes sans identification au fond d'un entrepôt. Parce que oui, le muséum possède des dizaines d'entrepôts où s'entassent des milliers de boîtes. C'est ce qui laisse penser à plusieurs que la tête de Mata Hari n'est peut-être pas perdue ou n'a peut-être pas été volée. Elle est peut-être tout simplement très bien rangée. En 2001, un magazine à sensation américain titre « Mata Hari est revenu chercher ses restes ». Inutile de vous dire que cette hypothèse est plus mystique et loufoque que les autres. Dans cet article, on croit que le fantôme de Mata Hari serait revenu chercher ses restes entre 1954 et 2000 pour les ramener avec elle dans l'au-delà, ce qui expliquerait la disparition sans la moindre trace, une hypothèse très comique, je tenais à la mentionner quand même. Au moment où j'enregistre ce balado, le 15 mars 2024, la tête et le corps de Mata Hari sont toujours portés disparus et aucun indice n'a été donné pour mener à leur découverte. Plus de 100 ans après sa mort, Mata Hari continue de fasciner. Retrouverons-nous un jour les restes de la plus célèbre danseuse du 20e siècle? Merci d'avoir écouté Close-up dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-up dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.